Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Hello, hello! Génial, c'est parti! Bien! Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 11 avril 2021. Il est 9h34. Je vous accueille avec grand plaisir dans mon salon. Je vous souhaite la bienvenue pour un cours de Tabata suivi d'une séquence stretching. Alors on y va? Ça va? On inspire et on souffle. Voilà, c'est parti. Bienvenue à tous. Séquence échauffement. Encore. Inspire et souffle. Le dernier. Et on relâche. L'épaule droite monte et on roule vers l'arrière. Super. La gauche monte, roule vers l'arrière. Encore. Alterne. Parfait. On accélère. 4, 3, 2. On grandit le mouvement. 4, 3, 2, stop. Monte, on roule. Monte, on roule. Hop. Un peu plus rapide. Et puis on tend les bras. Impeccable. Inspire et souffle. Et relâche. Super. On monte une fois l'épaule droite, deux fois, trois fois. Et on change. Les deux en même temps. On alterne. Super. Et on relâche complètement. Penche la tête vers l'avant, puis vers l'arrière. Avant, arrière. Uniquement la tête. Et on revient au milieu. On va aller regarder l'épaule et l'autre. Pivote la tête. Encore. Et on va pencher la tête. Penche. 4. 3. 2. 1. On revient centre. On baisse la tête. Et demi. Cercle. D'une épaule à l'autre. Et on relâche. Super, on rapproche ici, on fléchit sur les genoux légèrement. On va pousser la taille. La même chose, petit rapide. Tout petit, petit, petit. C'est ça. Encore. 4, 3, 2, 1. Youpi. On vient ici, hop, les omoplates vont se rapprocher. Hop, on avale le ventre, les omoplates s'écartent. 1 et 2. 1 et 2. Souffle, inspire. Super. 4. 3. 2. 1. Youpi, on va mélanger maintenant. On va aller droite, devant, gauche et derrière. Et puis rotation
gauche, droite et gauche, droite. Gardez les genoux fléchis. Impeccable. Encore. Souffle, inspire. 4, 3, 2, la même chose, petit rapide. 4, 3, 2, stop. En T-version, rétroversion. Bascule le bassin devant derrière. Inspire, souffle. 4, 3, 2, 1. On mélange en bas. Droite, devant, gauche, derrière. Gauche, devant, droite. Encore. Et boum. Peace.
Tic-toc, 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 tic-toc. Alors, qui est-ce que j'ai qui est arrivé? Laura. Laura est arrivée, très bien. Qui est arrivé? Eric. Donc, nous avons un garçon avec nous, j'espère, avec ta chère épouse, Eric. J'espère que vous allez bien, Viviane et toi. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Très bien. Donc, tous les autres qui sont arrivés, bienvenue. Alors, on va reprendre donc notre séance avec du Tabata. On va alterner cardio-renfo, comme d'habitude, sur des laps de temps de 4 minutes avec 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Let's go! Alors, le premier, ça va être des déplacements latéraux. Super fastoche. Alors, je mets juste ma musique. Ok. Alors, le premier mouvement, ça va être, regarde, on va se déplacer ici. Et puis là, une fois qu'on est arrivé ici, on imagine qu'on a une corde et on va sauter comme ça à peu près 8 fois, d'accord? On se déplace et on saute 8 fois, d'accord? Ça, c'est la deuxième, première partie. Deuxième partie, on se déplace et puis ici, on s'arrête sur place et on donne des coups de poing ici à fond les manettes 8 fois. On se déplace, on donne des coups de poing. Ça va? Juste ça. C'est parti. On est prêts? Pause. Mi-temps. Maintenant, déplacement.
des coups droits.
Ouais, super. Parfait. Ça va, vous avez récupéré un petit peu au niveau cardio? Parce que là, on va reprendre jumping jack et course sur place. Jumping jack, vous connaissez, ici. Hop, d'accord. Alors, si vous voulez réduire l'intensité, vous pouvez juste là, sans les bras, parce qu'en rajoutant les bras, on augmente un peu notre cardio, même beaucoup, d'accord. Vous pouvez également... Sans faire de saut, vous pouvez ouvrir et refermer si vous le souhaitez, d'accord? Ou vous pouvez accélérer ou ralentir le mouvement. On y va à chaque... Ah oui, ça c'est le premier, pardon. Le deuxième, tout simple, course sur place. On s'amuse, on court dans son salon. Allez, let's go. Jumping jack. Impeccable. On peut ralentir ici. On peut ça, d'accord? On peut même ça si on peut. Ce que l'on veut. Ou accélérer. Tout en même temps. Impeccable. Allez, ça fait déjà un, tenez bon, on marche que, on travaille que 20 secondes. Allez. 3, 2, 1. Top. Super. Donnez l'intensité que vous voulez. L'essentiel étant de participer jusqu'au bout de l'activité. Super, ça fait déjà 2 sur 4. Reprenez bien votre souffle pendant la pause.
Génial. C'est super. On s'offre quelques secondes de repos, histoire de récupérer un peu. Bien. Alors, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on enchaîne? On va passer au sol. Très bien, ça vous va ça? Alors, on enchaîne ici. Est-ce que vous me voyez? Ouais, ça va être très très simple. Ça va être des roll-ups. Vous connaissez les roll-ups, n'est-ce pas? On est allongé ici. Parfait. On va avaler le nombril, d'accord? Aspirer le nombril, enfoncer les talons dans le sol. Décoller ici la tête. Regardez par-dessus notre abdomen. Avalez très très fort le ventre. Aspirez le nombril. Prendre de la force uniquement dans le ventre. Et remontez ici tranquillement pour revenir ici. Quand vous revenez ici, vos pointes de pied sont flex. Vous les voyez, ouais. Et quand vous descendez, vous pointez les pieds. Vous arrondissez votre dos. Vous descendez ici, hop, vertèbre après vertèbre. Vous envoyez les bras, les biceps à la hauteur de vos oreilles. Hop, les pieds redeviennent flex. On inspire, on souffle, on inspire dans le ventre et on remonte ici. D'accord? Ça, ça sera le premier. Et le deuxième, ça va être ça. Ici, on tient, pardon, on croise et on tient. Voilà, c'est tout. D'accord? Let's go. Welcome to the back. 5, 4, 3, 2. C'est parti pour des roll-ups. Allez, plus que deux.
On boit encore un petit coup, on arrange à nouveau son tapis. Yes, ça va toujours, vous êtes là? Allez, encore un petit peu. Tenez bon. On a fait plus que la moitié. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, regarde. On est allongé tranquillement sur le dos, d'accord? Et on va monter nos deux jambes au plafond. Bien, on décolle la tête, on place une main derrière la nuque et l'autre main, elle va venir attraper la pointe de pied opposé. Ça peut être la pointe, la cheville, d'accord? Ce que l'on peut. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois, on change la main derrière la nuque et l'autre bras, vous imaginez que là, derrière l'omoplate, dans le sol, il y a un ressort. Et le ressort, il pousse votre épaule, il pousse votre omoplate et votre épaule, elle monte, le bras s'allonge pour aller chercher ici, à chaque fois, à toucher la pointe de pied. D'accord? Ça, ça sera le premier. Et le deuxième, ça sera croisé ici. D'accord? Les mains posées, le dos d'une main posé dans le creux de l'autre. On vient comme pour coiffer les cheveux, on place les deux mains entre les deux omoplates. Les coudes sont pliés, les biceps emprisonnent nos tempes et on va venir ici ramener les genoux vers nous. Voilà, c'est tout. Le haut du corps sera fixe. C'est vraiment le bas, les genoux qui viennent vers nous. D'accord? Donc, élévation ici et petit mouvement de genoux vers soi. Crunch inversé. Allez. On y go. C'est parti. Allez, on monte. Monte. Thank you.
un mur invisible aussi. Un pur invisible, avec les mains un mur, avec les pieds un pur. Allez, super. On inspire, on souffle, et tout doucement, on ramène comme ça les deux genoux pliés d'abord, et puis on les ramène vers soi. Super. Et on va balancer comme ça, doucement, à droite et à gauche. Super, super. Parfait. Ça va? Bien. On va passer à la suite. On va étirer un petit peu tout ce qu'on vient de faire. J'espère que ça va, que ça s'est bien passé, que vous avez pu réaliser tout ça correctement. Et surtout que vous avez pris plaisir. Alors, où est-ce que j'ai mes petites musiques libres de droit, sans se faire allumer par Facebook. Alors, libre de droit. Voilà. Let's go. Voilà. Très bien. Allez, on commence tranquillement. On ramène un genou, peu importe lequel, vers soi. On vient poser les deux mains dessus. Très bien. On va, avec les mains, rapatrier le genou vers nous. Mais le genou, lui, va marquer une opposition. Comme si le pied, la jambe voulait aller dans cette direction, d'accord? Et nous, avec les mains, on veut venir dans cette direction. Donc, on sent cette opposition et on sent une contraction abdominale. Très bien. Et grâce à ça aussi, on sent qu'on peut aller chercher à abaisser nos épaules en direction des fesses. D'accord? Regardez ici, hop, et ressentez surtout le mouvement. Vous contractez dans votre zone abdominale et vous abaissez vos épaules et vous maintenez la posture. Inspirez, soufflez et relâchez. Parfait. Encore. Ici, à nouveau, ramenez opposition entre vos mains et votre genou. Les épaules s'abaissent. Votre dos se grandit. Et on relâche. Une dernière fois. C'est parti. Les épaules s'abaissent en direction des fesses. Et vous relâchez. Parfait. Montez cette jambe vers le plafond. Et avec vos mains, tout simplement, ramenez vers vous la jambe. On essaye de garder le plus tendu possible. L'autre genou reste dirigé vers le plafond. On ramène. On peut ramener ici. Ou là, comme tu le sens. Ouvre le bras opposé à la jambe et pose ton bras en ouverture latérale dans le sol. Ta main, la même que la jambe, va venir ici à l'intérieur. Et très doucement, sans basculer au niveau du bassin, on va chercher une ouverture maximale. On reste. Sentez la jambe s'alourdir et comme un élastique à l'intérieur de la cuisse, la partie interne de la cuisse. Et on sent presque qu'on peut aller même toucher le sol. On passe la main à l'extérieur et on remonte cette jambe. Et au lieu de s'arrêter, on continue la course. On continue, on accompagne avec le bassin. On tourne ici, voilà. Et l'autre bras, on ouvre. Et on pivote la tête à l'opposé de nos jambes. Et on reste. On sent l'étirement se faire tout le long de la colonne.
On inspire, on souffle tranquillement. On inspire et sur le souffle, on fléchit. Et on vient avec les deux genoux. On ramène. On pose les deux pieds à plat dans le sol, genoux fléchis. On revient avec la tête centre. Très bien, on inspire, on souffle. On fléchit l'autre genou. On vient poser les mains. Comme tout à l'heure. On opère une opposition entre genoux et mains. La jambe veut aller dans cette direction, les bras veulent ramener dans l'autre sens. Sentez l'engagement abdominal. Les épaules s'abaissent. La nuque s'allonge. On sent un allongement au niveau de la colonne. Votre dos se place dans le sol de plus en plus. Et puis, vous relâchez. Inspirez à nouveau. Et placez, soufflez. Placez l'opposition. Continuez à garder une inspire et une expire pendant l'opposition. Ne restez pas en apnée. Inspirez, soufflez tranquillement. Sentez votre dos s'étaler. Votre nuque s'allonger. Et relâchez. Troisième et dernière fois. Allez, on maintient. On avale le nombril. Les épaules s'abaissent. Et puis relâchez. Impeccable. Tout doucement, montez cette jambe vers le plafond. Veillez à garder l'autre genou bien dirigé en direction du plafond. Vous pouvez tenir ici, là, là, comme vous le souhaitez. Essayez de tendre la jambe le plus possible. Ouvrez le bras opposé en ouverture latérale dans le sol. La main vient ici et tranquillement, vous partez en ouverture latérale sans pour autant basculer le bassin. Gardez bien le bassin dirigé vers le plafond. Laissez la jambe tomber comme un poids lourd sur le côté. Voyez même si vous pouvez même toucher le sol. Et très doucement avec la main, hop, remontez. Très lentement. On ne s'arrête pas, on continue sa course et on laisse aller le tout sur le côté. On ouvre les deux bras et on pivote la tête à l'opposé de nos jambes. On sent l'étirement se faire tout le long de la colonne. On inspire et on souffle. Très bien. Doucement, vous inspirez, vous soufflez, vous fléchissez les deux genoux et vous ramenez au centre, également la tête au centre et vous posez les mains sur les genoux. Vous faites des rotations des deux genoux en même temps, dans un sens et dans l'autre. Sentez comment vos lombaires se plaquent dans le sol. Et maintenant, faites des rotations désynchronisées et sentez comment vos lombaires se plaquent aussi dans le sol. Voyez s'il y a une différence entre le mouvement circulaire des deux genoux et le mouvement désynchronisé des genoux. Dans un sens et dans l'autre. Bien, balancez de droite à gauche. Et puis laissez-vous tomber sur le côté. Parfait, venez vous asseoir. Impeccable.
Asseyez-vous tranquillement et ouvrez grand, grand l'espace de vos jambes. Bien. Placez une main devant, une main derrière. Prenez appui sur vos mains, montez votre corps et poussez les jambes le plus possible vers les extérieurs. Redressez-vous, inspirez, soufflez. Avec vos mains, vous allez glisser vers l'avant. Restez là. Inspirez, soufflez. Pour l'instant, vos bras sont tendus devant vous. Allez le plus loin possible. À chaque fois, vous essayez de grappiller quelques millimètres supplémentaires. Continuez à inspirer, souffler. Et puis, essayez de plier les coudes, plier les bras et de poser les coudes au sol. Toujours en gardant les jambes tendues. Si c'est trop difficile, vous pouvez soit fléchir un petit peu au niveau des genoux, soit réduire l'écart de vos jambes, d'accord? Vous choisissez ce qui vous convient le plus et on essaye, on reste encore. Allez, on essaye de poser les coudes. On tend à nouveau les bras. Et avec le bout du bout du bout du bout des doigts, on fait un arc de cercle. On dessine un arc de cercle et on vient ici attraper. Avec la main gauche, on attrape le talon gauche. Et avec la main droite, on vient par-dessus la tête. Et on sent l'étirement se faire aussi bien ici que là, d'accord? Et on ramène la pointe de pied vers soi et du coup, on sent l'étirement à l'arrière de la cuisse, de la jambe également. Évidemment, on inspire, on souffle. On tend les bras au maximum de nos capacités. Avec le bout du bout des doigts, on s'en va pour attraper avec la main droite le talon droit. Avec la main gauche, par-dessus bord. Pareil, on rapatrie la pointe vers soi pour sentir l'étirement. Et on revient. Et on essaye d'aller encore un peu plus loin. Allez, on tient encore un peu. On inspire et on souffle. Et on va au maximum de ses capacités. On tient encore. Très bien, tout doucement, on revient. On ramène les deux talons côte à côte. Et on relâche. Bien, ça va? Super, on plie les deux jambes, on ramène les talons vers l'arrière, on monte à genoux, puis en position chevalier pour se relever, on inspire et on souffle. On maintient ici, on inspire et encore. On bloque. Et on souffle. Parfait. On va passer une jambe devant nous, comme ça, comme une sorte de fente. On va venir ici. On croise. Et là, on va s'arrondir, comme si il y avait un mur ici sur lequel on s'appuie pour se repousser. On ne pousse pas le mur, on se repousse du mur. Voilà. Et tout en repoussant ce joli mur invisible, on abaisse nos épaules. On avale notre ventre, on s'arrondit, voilà. Et on passe derrière. Et on relâche. On passe de l'autre côté, ici. On croise.
épaules. Le dos est rond, on creuse dans le ventre. On passe derrière. On relâche. Parfait. On inspire à nouveau, on monte. On attrape ici le poignet et on l'étire sur le côté. Voilà, on l'embarque avec nous. On prend une grande inspire. Et sur le souffle, on va descendre, s'arrêter en bas au milieu, relâcher tout, fléchir sur les genoux. Laisser le dos des mains s'enfoncer dans le sol. Et remonter doucement, vertèbre après vertèbre, les bras complètement relâchés, les épaules et la tête en dernier. On prend une grande inspire. Sur le souffle. On inspire à nouveau. Et sur le souffle. On relâche en bas. Complètement. On laisse. Regardez ici. Voilà. On met 2-3 quarts. Et on remonte doucement. Vertèbre après vertèbre, épaules et tête en dernier. On inspire et sur le souffle, on va tout jeter à la poubelle. Impeccable. Inspire et parfait. Encore. Super. Dernière. Et on laisse aller. Impeccable. Bravo, bravo, merci beaucoup, bravo pour votre travail. Merci, c'était super. J'espère que vous avez pu suivre correctement cette séance. Donc maintenant, on ne garde que les dimanches et les mercredis comme rendez-vous. Je vais afficher le planning à nouveau comme rappel sur le site, sur Facebook. Et puis les autres cours sont maintenant, se réalisent en présentiel à l'extérieur. Donc on va commencer Sarcelles cette semaine, jeudi avec moi, de 14h à 16h. Et puis Attainville le lundi et le mercredi de 14 à 15. Voilà, donc on y va tranquillement, doucement mais sûrement. Et j'espère à très vite pour un vrai présentiel dans les salles. On ne sait pas quand. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent dimanche. On se voit mercredi pour notre prochain live. Au revoir, merci de votre présence. Au revoir et merci à vous.